Hong Kong. Voilà, c'est parti pour Shenmue 2 sur Xbox, édition collector. Mon Shenmue préféré. Sur Xbox, premier du nom. Version collector avec le DVD du film de Shenmue 1. Magnifique jeu, chef-d'œuvre, intégralement en anglais. Pour moi, c'est pas un problème. Je l'ai fait en japonais, en anglais et en français. Donc, c'est pas un problème. Et merci pour ton follow, Senpai. Désolé si tu peux pas parler, hein. Pour m'avoir follow depuis minimum un mois pour les nouveaux. Mais bienvenue à toi et merci quand même. Ah, faut pas s'en prendre à moi, faut s'en prendre au troll. Tout va bien niveau son, image, etc. etc. Parce que le son des jeux Xbox est moins fort. Et le son des jeux Xbox première du nom. Donc je savais pas sur quoi partir vu qu'on a quasiment tout fait ce qu'on avait commencé. Et vu qu'il était dans les prévisions des jeux à faire. Évidemment, on va en faire une superbe playlist. Donc, on va pas le faire à 100%. Il y a tellement trop de choses à faire.
Par contre, voilà, qu'on va bien le poncer quand même. Mais ça va mettre du temps. Donc on fera d'autres jeux en parallèle. Ça va mettre du temps. Énorme. Mais bon, je le connais bien, donc bon. On va pas dire par cœur, il y a toujours des secrets, même encore aujourd'hui dedans. Mais... One's Eye, South Kamen Quarter, Yen Ten Apartments. Je connais très très bien This quand is même. where Li Xiaotao L'ai lives. fait une bonne dizaine de fois. Sur chaque support. First, I need to find One's Eye. C'est un jeu que je tenais à faire en live et en faire une playlist pour YouTube également. Alors que je me refasse les touches, hein. On joue sur Xbox première du nom donc. Mais ça va le faire. Pas de problème. Traveler, stay and listen Si to c'est pas our assez fort, faudrait dire, song. moi je veux augmenter quand même dans le doute. J'augmente quand même dans le doute. It's a song wishing love to travelers. Put some money in. It'll Faudrait me dire prove si your c'est pas luck. assez fort, parce que la musique, elle est juste énorme. Young man, where are you headed to? I'm looking for a place called One's Eye. One's Eye is that way. Les dialogues peuvent peut-être être plus forts. Thank you very much. La musique, je sais pas exactement. Welcome! Welcome to Hong Kong! Looking for fun? Do you need a guide? Are you a lone boy? You need a place to stay? Need a tour? It'll be cheap. Hey, handsome, let me take your photo. Et moi, je préfère cette version Xbox première du nom de Shenmue 2 à celle de la version PS4, sans comparaison. Elle est bien hein, sur PS4, hein, c'est pas ça. Elle est en français, hein, voilà. Mais en vrai, l'affichage et la fluidité est meilleure sur Xbox première du nom, je trouve, moi. Freestay Lodge. Parce qu'il n'y aura jamais mieux que la version Dreamcast so kind. En matière de Shenmue. Hein. Ça, c'est sûr. Well, take care of yourself. Mais elle est équivalente à la version Dreamcast, celle-là. Goodbye. Donc ça, c'est bien. Vous risquez de m'entendre souvent parler de quelques subtilités du jeu, même si je ne suis pas un expert. Hazuki-san, you were heading for One's Eye, right? Yes. Which way is it to One's Eye? One. Go. Thank you. Le dialogue, on va pas s'embêter avec. Je montrerai quelques petits clins d'œil aussi. Premier clin d'œil à Virtua Fighter. Excuse me. What? I'm looking for one. Why? If you can answer it, perhaps. A question? Why do rivers. Océan. The river flows toward the ocean. That Et is nous demandait correct. Où coulent toutes les rivières, Even les ruisseaux et tout ça, à l'océan, d'où viennent. Drop of water. Water returns to the ocean. The ocean, its mother. I reck the. I understand. To the south. Water that spouts out of the earth. Voilà. On fouillera quand même hein, deux, trois petits trucs. Hein. A winning can. I didn't know there was one in Hong Kong. Thank you.
what's on this flyer. Salut petit chic, comment on va? Honest pawn shop. I'll keep it. Here's a drawer. Ça va, tranquille. This is... a forklift. I will keep this. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à dégager. D'ici. Évidemment, on fera tous les jeux d'arcade, hein. On essaiera de faire du scoring pour le plaisir. Il y en a quatre, je sais où ils sont tous. Donc au fil de l'aventure, on les chopera. Et on les fera. Ah, n'hésite pas à me dire, tiens, vu que t'es là, c'est chic. C'était assez fort le son, sinon je peux augmenter. Les musiques sont trop exceptionnelles. Moi, je vais augmenter pour moi, d'ailleurs, un peu. Pour moi. Et je peux augmenter pour vous encore, hein, c'est pas un problème. Pas hésiter à dire niveau son. What do you want, boy? You look pretty strong. How about a game? I'm looking for someone. If you can beat him, I'll help you. Really? Sure, $10 a bet. How about it? Okay. Yeah. Hey, pas de soucis, t'inquiète. That's a spirit. You're Japanese, aren't you? What's your name? Yo. Yo Hazuki. Yo Hazuki, eh? Okay. Let's go. Here's our powerful challenger. The samurai boy from Japan. C'est A. C'est A. Yo Hazuki. Who's he fighting? La dernière fois, j'avais fait X. The Mexican military. La dernière fois, ça fait longtemps. J'ai déjà fait en japonais, en anglais, en français, donc je suis pas spécialement chaud. J'ai fait une dizaine de fois. Je connais très bien. Je connais très très bien, quoi. De toute façon, la langue est pas importante, comme je te dis. J'étais jeune quand je l'ai fait en japonais. Les PNJ, enfin les gens peuvent t'accompagner à l'endroit clé. Si jamais tu leur demandes, tu vois. T'es pas réellement perdu. Enfin, au début, si, hein, évidemment. La première fois que tu le fais, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine, si, puisque je l'ai fait, mais voilà. C'est moins simple. On est sur la version Xbox. Version collector, Xbox première du nom. At the end of it, you'll find an old man selling bird feed. Bird feed? Yeah, he's usually taking a nap. Then turn left at that spot. Non, en japonais, c'est compliqué quand même. Et en anglais, en français. I got it. Mais je l'ai fini en japonais, donc. Le 1, pareil. J'ai encore le jeu original, j'ai jamais fini. Sur Dream, ah, nice. Moi, je les ai tous, sauf les épisodes Dreamcast, vu que j'ai pas de Dreamcast. Mais c'est pas grave. Je les aurai. Par contre, j'ai les 3 sur PS4. Et le 2 sur Xbox. Watch where you're going, you punk! That
That goes for you too, barging into people like that. Sure. You must be Japanese. Yes. Watch out! Here in Hong Kong, you can easily get run over. Where's Wanzai? Huh? Wanzai. Le 3 que j'ai fait à fond en live, il y a les VOD sur YouTube, il y a la playlist. Hey, what's your name? Yo. Yo, I'm Joy. You better watch out. There's lots of thieves here. Moi, je me chopperai une Dreamcast, je prendrai les épisodes Dreamcast, évidemment, pour la collecte. Les glaçons pour le pastis, déjà, putain, mais tu commences, je sais pas dans quel pays tu es. T'es pas canadien, toi? C'est pas Québec, toi? Je suis pas sûr, hein. J'ai peut-être une connerie. Comment je veux dire? Ouais, bah sinon tu commences tôt, quoi. Ah non, FR, ok, d'accord. Non, mais je confonds ce qu'il y avait. Non, non, mais c'est. Il y avait un autre pseudo qui ressemblait au tien, justement. Non, c'est pas grave, hein. Pas de soucis, bah tu commences tôt quand même, hein. Passe ta gaffe, wow, c'est pas du léger, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah non, petit rosé, moi. Tout à l'heure, plus tard. Butard. T'es fou, toi. Pas ta gaffe. Entre Lille et Paris, en gros, je suis d'accord. La santé à toi, écoute. Non, non, mais là, moi je suis au Coca. Hein. Je suis au Brescola. Hein. Moi, je suis en Bretagne. Donc, voilà. Je suis au Brescola, moi. Hein, pas de problème. T'es. Non, non, petit rosé, ce sera fin d'après-midi. Hein, début de soirée. Petit rosé, petite bière. Puis voilà. T'es au Rhum. Et tu sors le pastis, t'es sérieux? Tu bois rhum et pastis, t'es sérieux? Putain, t'es un chaud, c'est toi qui es chaud en fait. Putain, il rigole pas lui. Là, je bois plus d'alcool fort moi de toute façon. D'accord. Aïe aïe aïe. T'es bourré déjà ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Hein? Il se passe quoi, dis-moi? Ça va? Tout à l'heure, on a eu de la flotte et des orages, mais là, ça se relève. Ça se relève, le soleil revient. Il fait bon là, bien chaud. Il faisait lourd ce matin, je savais que ça allait péter. Ah oui, c'est toi, Rome, pardon. Tu sais quoi, Barak? C'est parce que vous avez la même couleur en fait. Désolé. Vous avez la même couleur de pseudo et vous avez à peu près la même taille de pseudo. Désolé, autant pour moi, Barak. Autant pour moi. Et santé, bah santé les gars, écoute. Hein, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Santé. Mais si, je te jure, je vois psychique et j'avais pas vu Barak. Je croyais que c'était que toi qui parlais, tu vois, comme vous avez même couleur et même taille de pseudo. T'as. Franchement, sur le chat, voilà quoi, je vous le dis. Eh bah les gars, ouais, santé, hein, y a que ça à dire. Hein. Faites-vous plaisir en regardant ce jeu magnifique. Et puis voilà. Oh, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Avec les pseudos et les couleurs. Ça arrivera encore. Oui, bah oui, c'est pas étonnant. Je me suis dit, le mec, il me dit qu'il est au pastis, après il me dit qu'il est au rhum. Tu vois ce que je veux dire? Rhum pastis, c'est chaud, quoi. Tu vois? Moi non plus, je comprenais pas. Il se fout de ma gueule, quoi. Ok, ça marche. T'as raison, prends des glaçons pour le pastagas. C'est bon, je confondrai plus maintenant. C'est enregistré. Il y en a un qui a les glaçons et le pastagas et l'autre qui a le rhum. Ah, les gars, vous commencez tôt, n'empêche. Voilà, ça faut le dire par contre. Commencez tôt, les mecs. En vrai, être bien raisonnable. Avec cette chaleur, justement, c'est ce que j'allais dire après. Là, ça se relève. Je sais pas où vous êtes situé. Enfin, moi, je sais maintenant pour Psychique où il est situé. Barak, je sais pas où il est situé, dans quelle ville ou quel pays, je ne sais pas. Le temps n'est pas partout pareil.
GG level up pour Psychic du coup. Il a pas entendu, il est parti chercher des glaçons. T'es en Suisse. Ah mais je crois que tu me l'avais déjà dit, mais tu vois, on peut pas se rappeler de tout. Hein. Y a pas de soucis. Ah, ça va, il fait bon là-bas ou quoi? Putain, tu vois, à parler, à regarder le chat, tu vois un peu? Pas grave. Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que voilà, c'est pépère, quoi. C'est pépère. Ouais, il fait bon. Je sais, tout à l'heure, bah, comme je disais, orage et pluie. Là, c'est bon, ça se relève bien, 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 quoi, tu vois. Je croyais que j'allais ressortir le jean ou le bas de jogging, mais non, non, je suis resté en short. Hein. Le temps que je mange, ça s'est voulu relever, quoi. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est ça qui est bon, quoi. Excuse me. Hey, did I... Huh? Your job... You... That's... I... Quel gueule. Je sais plus, faut parler à un petit vieux, je crois. Hey. Huh. Good job, il me dit la même chose qu'elle naze. On va retourner. Excuse. Hi. My bad guy stuck. Did you see anybody? No. I see. Do you have any idea? The poison, brother. The poison. On va aller voir les Poison Brothers. Hop. Excuse me. I'd like to ask you something. Bro, some kid's talking to us. I haven't seen you around here. I had my bag stolen. A bag? Who cares? A group of four stole my bag. One of them was a little kid. I said I don't know! Slam! Wait! You think you can just ask and then just leave? Yeah! We were having a nice drink here, till you came. You aren't leaving already, are you? Like bro says, you can't leave without paying. Paying? Yeah, some money! No way. They will show you how things are done in Aberdeen! Allez, re-psychique. C'est bon, t'es OP. Avec glaçon. Ouais, mais tu vois, Barak, aussi, j'ai confondu votre couleur et votre pseudo. Pourquoi? Parce que t'as pas dit re non plus, tu vois. On s'est vu ce matin, mais t'as pas dit re, c'est pour ça. Je me suis dit, c'est le même qui parle, quoi. Tu vois. Il y a ça aussi. Donc, ALM. Wong got you. You know him?
I saw Wong at Pigeon Park. Attends mieux. That way. Thanks. Never stops to think, does he? Mais alors, dégage. This is Pigeon Park. Damn, where is he? Le petit voleur, le petit chou-raveur. Hmm. That's him. Oh no! Wait, give me back my bag. What bag? Take this. Go, paperasse administrative et autres en même temps que je look le lève. Ah, il n'y a pas de souci, vas-y. Sam, Larry, Colby! You! What do you want? I want my bag back. Why don't you give so up? So, you love your bag that much, eh? Bagarre. Là, j'ai pris une photo. Avec la gâchette, là, tu peux prendre une photo. Now, where's my bag? You're hurting. Ah bon. Please, stop it. I'm sorry. I'll show you where your bag's hidden. You better not be lying. Yeah, it's this way. Follow me. It's this way. Et il veut nous rendre notre sac, mais il y aura plus de pognon, évidemment.
here. Dommage qu'on ne puisse pas mettre les voix japonaises, par contre, dans cette version. Mm. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Here. Dans la version Xbox, on peut pas. The money's gone. Dans la version PS4, on peut. It wasn't me, I swear. Take me to them. They spent the money gambling. What? Really? They spent it all just like that. I'm sorry. I'll do anything if you'll forgive me. Well then. Yeah. J'aurais préféré les voix japonaises, que, mais bon. I want to go here. C'est un détail. I'm not too familiar with Wanzai. Ask at the come over guest house in the Green Market Quarter. Green Market Quarter. Come over guest house. The guy there knows a lot. He can tell you, I'm sure. I'll draw a map. Do you have a pen? Write it down here. Turn here and... Here you go. I think it's clear enough. Okay. Wanzai is on the other side of King's Road. I'll go now. Wanzai. Wanzai. Alors, que je regarde quand même la map, fera pas ça, mais... I should find the come over guest house. Je vais regarder mes items. Ça, je m'en fous. Alors, c'est pas comme ça. Non, bah, prends des photos, ce con. Et c'est comme ça, ok. Voilà. Hop, on se refait la main. Là, c'est les photos. Special move. Les collections. Collection de figurines. On n'a rien, logique. Voilà, on a plus de thunes. Allez. Et si on veut, voilà, à tout moment, on peut lire la carte. Wanzai is ahead of here. Come over guest house is just up ahead. I should check this place out. Excuse me. What?
Which way is... You wanna go? Come with me. Thank you. Tu vois, donc même si tu le fais en japonais ou en anglais, je parle pour ceux qui se disaient tout à l'heure, ouais, t'es chaud, tu le fais en langue étrangère. Je peux demander aux PNJ de t'accompagner, certains PNJ et à certains endroits seulement. De t'accompagner près du lieu concerné, quoi. Ça, c'est tranquille. C'est tranquille. Observer en même temps. This is a hotel, isn't it? So it seems. I want a room. No vacancy. Oh. Joy told me to come.
see, Joy? Yes. Joy told me about this hotel. Heck. All right. Go upstairs. Pour l'instant, on ne regarde pas dans le livre hein, pour les indices. On regardera, on finira bien par regarder un de ces quatre à un moment donné. Pour certaines recherches. Ce qu'on a incarné avec des indices, mais bon, j'ai pas besoin. Allô? Je suis trop près. Pourquoi il veut pas zoomer dessus? Ouais. On this flyer. A flyer for a convenience store. There's a map on here. Ah, take a squeeze. I wonder what's on this flyer. Green Markets Pawn Shop. A pawn shop flyer. Why is there a flyer for a pawn shop here? Juste pour vérifier qu'il y a bien notre stack. I should leave my bag in the room. I'd better not take it with me. C'est bon, ça c'est bon. Hop. Hey, you. Huh? I almost forgot to mention it, but rent is $38. Yeah. Okay. I should make some money. Alors bosser. Excuse me. What? Je m'en fous de ça. No, it's nothing.
I'll look for the South Korean quarter. Excuse me. Yes? I want to go to the Yantan. Which way is it to the... Let me show you. Follow me. Okay. Il nous y a emmené aussi. C'est un peu plus long comme système, mais j'aime bien parce qu'on peut observer vraiment tout ce qui fourmille de détails dans le jeu. C'est bien d'en profiter aussi. The South Korean quarter is ahead. This is it. Thank you very much. Goodbye. Excuse me. What? Which way? Let me follow. Okay. Mène-moi jusqu'au bout. Et oh. Il est fou lui ou quoi? Cinco. Over here. Are you talking to me? You are familiar with the martial arts. Well, yes, a little. You seem to belong to the Shaolin school. No, I... Wait, let me guess. Your movements imply hawk style. No, crane style. Wait, I... Spar with me, then I'll know. What? How do I spar against Tai Chi? Don't worry, come and strike. Nice kick.
Didn't know you could attack with Tai Chi. It's Chen style, Tai Chi. Most styles begin with force and develop into softness. However, Tai Chi begins with softness and develops into force. Softness doesn't mean there is no force. You cannot be complete until you attain both. I think I understand. I'm John Min. And you are? Hazuki. And what is your style? Jiu-jitsu. Let's spar again if we get a chance. Yes, please. Jiu-jitsu? Never heard of it. Don't you worry. T'as pas le temps, que tu me dis. Excuse. Which way is it? Thank you. This is the Yantan Apartments. Li Xiaotao lives here. Here it is. You back again, you land shark? What evil plan do you have now? No, I'm... I'm not leaving this place. I'm looking for Li Xiaotao. What would a punk like you want with Li Xiaotao? Do you know him? Li Xiaotao doesn't meet with land sharks. I'm not a punk, and I'm not a land shark. Wait! Get out of here! I'm not leaving here, even if I die! What? Il s'est retourné comme un débile. What do you want? Excuse me. Are you Master Li Xiaotao? Of course not. Can't you tell? Do you know anything about Master Tao? Master Tao's not here anymore. Master Tao moved away. Do you know where he moved to? I don't know where, but... So, you do know something then? I'm hungry. I haven't eaten all day. Huh? You sure are dense. I'm saying, I'll tell you for the right price. Right now I have no money. Penniless, eh? Then go get some cash. Either from a job or a pawn shop. I understand. All right then, time for a nap.
Ah. Choc avait fait ça. This is the place. Putain, un mauvais, thank you very much. Don't mention. Shida, lui, il est fou, quoi. Attends, fallait parler à mamie. J'ai regardé vite fait. Ouais, faut que je trouve de la money. Mais avant, j'ai un truc à faire. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Locked. Et j'ai rien en monnaie, de toute façon. Hop. Je vais aller à un pawn shop. On en a vu un à loin. Excuse me. Well, je... Excuse me, is this your first visit? Yes. Well then, please have this. It's our fire. Our current rates are listed on it. Do you have something you want to sell? Je dois pas avoir... Ah si! On les collectionnera pas, donc on va s'en foutre, hein. Je regarde ce qui vaudrait le plus cher. C'est... C'est toutes les collections complètes qu'on peut avoir. On se fait là largement. Mais on va vendre déjà. I'm afraid. Yes. I. Do you have any? I am afraid I. Yes. I am. Do you have anything else you want to pawn? I am afraid. Yes, please. I am. Do you have any? En attendant de travailler déjà, ça sera pas mal. Le petit dernier, on va garder Angon et Space arrière. I am afraid I. Yes. I am. Do you have any? I. I. Where? Et on peut compléter nos collections quand il nous manque des pièces dans les tirettes. Aussi. Mais bon. Soit tu collectionnes les figurines pour avoir toutes les collections, soit tu les collectionnes pour faire du fric. Quoi. À la base, c'est, ça sert à ça. Quoi.
What is it? You again? You get some money? Je lui ai donné 5 ans, je m'en fous, de toute façon, on s'en fera bien. Y'a pas besoin. You know what I'm talking about. It's someplace in the wise man's quarter. Manmo, yeah. The Manmo. Ah, merci. Ou du cul. Ah là là. Je crois que si on lui donne que 20 dans mes souvenirs, c'est pas bon. Peut-être pas la bonne info. J'ai un doute. Bon, il y a quelqu'un dans le bourg ? Il y a toujours au moins un pélo. Yeah. Which way is it to the way? Want me follow? Okay. Il y a toujours un pélo qui traîne. On veut pas se casser les couilles, comme on dit. Wise man's quarter is ahead. This is it. Thank you very much. Good. Excuse. Yeah? I'm looking. There's Matt. What is it? I'm looking for a shop that has Manmo as a... Yeah, there was... I remember. Le Manmo Bistro, il est où déjà? Attends, je vais demander... I'm looking for a shop that has Manmo as a part of it. There's a place called the Manmo China Shop. Man... Je suis sur la place... faut que je cherche le Manmo Bistro... For a shop that has Manmo as a part of its name. The Manmo China Shop? Manmo. Can you give... I... Come... Thank you. Ah, vas-y. Look, we're here. Thank you very much. See ya. What? It's not open. Can I? I'm looking for a shop that has Manmo as a part of its name. How about the Manmo? Manmo Ch- ouais, mais je peux pas y aller. Attends. Je vais aller chez... Ben, c'est vrai qu'il faut les faire dans l'ordre, je crois, je sais plus. Non? Oh, it's not open. Ok. C'est peut-être pas l'heure, hein.
Il est où le Manmo Bistro là? Je sais plus. Ah, c'est là. Welcome. Someone will show you to your table. Oh. C'est pas bon. Excuse me. Yes? I was wondering if Master Lee... I don't know, so please ask someone else. Welcome. Is Master Li Xiao Tao? Master? The first Manmo Temp. I hear the... That's it. Manmo Temp. Where is Manmo? I'll follow. Thank you. Voilà. Scarlet Hills is ahead. Web. Excuse. Hello. Where is Manmo? Manmo Temple. Non, sans blague. Look across the street. I understand. Et merci Manga TD pour ton follow. Désolé si tu peux pas parler, hein, toi aussi. C'est pour ceux qui me suivent depuis minimum un mois. Mais bienvenue à toi. Mais là, bon, c'est fermé. Je sais plus si on peut passer le temps. Non, bah non, pas dans celui-là. Alors que je revienne demain. Attends, je vais faire un truc. Pour les nouveaux follow quand même. It's quite late now.
I'd better get back to the come over guest house. Voilà. Bon, le mode est désactivé, on verra bien ce que ça donnera, sinon on le remettra. De quoi dommage? Dommage qu'il y ait autant de trolls, ouais. Ah bah oui, bah oui, c'est pour vous que je l'ai fait, hein, c'est pas... Donc salut à toi, Senpai. Coucou, les chargements sont plus rapides sur Xbox que sur Dreamcast? Non, ouais, par contre ils sont plus lents que sur PS4. Oui, tu peux parler, bah oui, je viens de désactiver pour vous, parce que bah, vous êtes deux à m'avoir follow quand même sur cette session, vous pouvez pas parler, donc... C'est pas contre vous, hein, c'est contre personne d'ailleurs, à part contre les trolls, quoi. Parce que j'ai eu des vagues de trolls, et si c'est pour pourrir et dire des conneries, c'est pas la peine, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, bah, c'est pour vous, hein, c'est... Bon, tu vois, je fais pas ça... C'est pas anodin, quoi. Et pas qu'une manga télé, pas qu'une. Pas qu'une. Pas qu'une manga. Mais bon, ça m'embête pour vous, hein, vraiment. Hein, sinon, je n'aurais pas désactivé, tu vois. La preuve. Hein. Bison. Ouais, je peux parler. En tout cas, bienvenue, les gars. Merci pour vos follow. Voilà. Alors, on m'a parlé de toi. Du coup, je suis passé plusieurs fois, mais tu n'étais pas là. J'étais pas là. Ah bon? J'étais pas en live, quoi. Bon, j'espère qu'on t'a parlé en bien. Bon, après, même si on t'a parlé en mal, je m'en tape. Je fais même pas attention. Souvent, les vagues sont passagères. Ouais, mais... Ah, ça se discute. Ah ouais, je m'inquiète pas, moi, je m'en tape, hein, complet. Je m'en fous de ce que les gens pensent, moi. Ça passe, soit ça casse. Voilà, c'est clair. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de live. Ok, d'accord. Bah ouais, ça, c'est sûr que s'il n'y a pas de live, tu peux pas me causer. Donc voilà. Bon. Bref. Mais tu vois, je suis sûr, je fais un live ce soir et je laisse la porte ouverte comme ça. Je suis sûr qu'il y a des vagues de trolls et le chat est pourri en deux secondes. J'en suis certain à 100%. Ce soir, je vais remettre en mode follower, je le sais. Enfin, je vais le faire, évidemment. C'est vrai que c'est plus le soir, mais il y en a eu le matin et l'après-midi, des fois. Ouais, j'ai fait une dizaine de fois. Hein. J'ai fait en japonais, en anglais, en français. Je les ai fait sur tous les supports. Et j'ai les trois sur PS4. Et là, on est sur la version Xbox. Sur la vraie console, évidemment. Chez Nono, c'est ça. Si vous ne le savez pas, vous le savez. On est sur l'édition collector en plus, avec le DVD du film de Shenmue 1. Voilà. Donc oui, je commence Shenmue 2 parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans les jeux du moment que j'avais entrepris. C'est cool alors si ça te plaît. Moi, c'est mon Shenmue préféré, moi. Ah bah oui, pour le prix que j'ai payé, oui, c'est un investissement. Je capture via la Xbox 360, via un OSSC, via un Avermedia, via un PC. C'est tout un circuit. C'est sûr que si tu veux investir dans tout ça d'un coup, voilà quoi, faut avoir une bonne... Faut mettre un bon billet, quoi. Bah, je dirais pas le 2 est le meilleur, mais pour moi, oui. Après, il y en a, ils préfèrent le 1. Bon, personne ne m'a jamais dit qu'il préférait le 3. Moi, j'ai bien aimé le 3, mais j'y reviendrai pas spécialement. Que le 1 et le 2, je les ai fait au moins 10 fois chacun. Sur tous les supports. Donc, j'irai pas... Pour moi, oui, c'est le meilleur, mais tu vois, les goûts et les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs, quoi. Are you going out? Yeah. Ouais, bah ouais, bah, c'est sûr que celui-là est 10 fois plus complet, et puis on fera les jeux d'arcade dans le jeu et tout. Hein. Ça peut accélérer, oui, ça peut manga TD, ça peut déjà, et aussi ça fluidifie un petit peu plus le jeu. Voilà.
Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas les voix japonaises. J'aurais préféré avoir les voix japonaises. C'est un détail. Sur PS4, tu pouvais les mettre, par exemple. Bon, c'est des détails. Hein. Autrement, ouais, Shenmue 3, si ça vous intéresse, je l'ai défoncé en live. Il y a la playlist sur YouTube, si vous voulez. Enfin, je l'ai fini, quoi. J'ai fouillé partout. J'ai bien aimé, mais... Après, il y a la nostalgie qui rentre en compte aussi. Hein. Ah, sur celui-là, j'ai énormément de nostalgie. Well. Sorry. Hey, j'ai pas de quoi payer. Okay. Je me demande si ça aurait tenu sur le DVD, sachant qu'ils ont peut-être fourni un DVD simple couche. Tu te demandes si ça aurait tenu sur le DVD. Par rapport aux voix japonaises. Ah ouais, ça c'était chiant, ça, les plantes à cueillir. Je peux te dire que j'en ai cueilli. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, manga. Je pense que ça peut venir de ça, parce que c'est vrai que c'est format DVD plus. Ouais, c'est clair que les plantes, là, c'était trop chiant, quoi. C'était trop long et chiant. Il fallait en cueillir, hein. Non mais c'est d'époque, hein, c'est pour ça, elle est vieille cette version Xbox. Hein. Elle est arrivée après que la Dreamcast ait fait faillite. Hein. Il y a eu beaucoup de jeux de la Dreamcast sur Xbox première du nom. Hein. Après il y en a eu sur 360 aussi, des compiles, tout ça. Ah, une compile, que j'ai d'ailleurs. Ah, moi aussi je te parle d'époque. Hein. Je te parle d'époque. Mais je préfère cette version Xbox de Shenmue 2 que la version PS4. Je vous le dis tout de suite, personnellement. Déjà pour l'affichage et pour quelques petits autres détails vite fait. Mais elle est bien, elle est très bien la version PS4 aussi. Ils sont très bien. Pour ceux qui les ont jamais fait, quoi. Ceux qui les ont fait à l'époque. Comme moi, quoi. Je suis de 81, moi. Je suis de 81, donc... On les a sur PS4, évidemment, hein, les trois. Il me manque les épisodes de Dreamcast, mais vu que j'ai pas la Dreamcast, j'attendrai d'avoir la Dreamcast pour me les prendre pour la collecte. En japonais. En japonais, si possible. C'est moins cher, déjà, et c'est plus authentique. Et c'est ce que je ferai pour la collecte. Ah bah oui. Ça, on en parle souvent avec des viewers, hein, les années 80-90. J'ai pas mal de gens... Bah voilà. Il y a les pas de TV aussi, si vous voulez. Attendez, on va rigoler deux secondes. Je sais plus comment il a écrit ça. Good to see you. Attends. Hi, I'm EHPADTV. Let's get started then. Move as I tell you to. Sure. Okay, we're going to carry it over there. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne aussi, hein, c'est la maison de retraite en live. C'est ironique, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Moi j'ai fait le 1 et le 2 sur la version PC de 2018, bye. Ah ouais. Oh bah c'est pas prise de tête. Même en japonais, je t'ai dit, je l'ai fait à l'époque sur Dreamcast en japonais. Et là, tu vois, je fais le con. Je parle avec vous, je rigole avec vous, mais je sais plus ce que je fais. Allez, tais-toi. Allez, tais-toi. Right.
Right! Right! We're putting it down! Here! Voilà quoi, ouais, les meilleures années quoi. 80, 90, okay, 2000. Sure. Après ça part next, en couille. We'll carry this one. Sure. Hey, hey. Here. Left. Left. Yeah. Yeah. Après chacun sa génération, hein, évidemment. Yeah. Yeah. Right. 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 Left. Left. Yeah. Right. Right. We're putting it down. Et comme je disais, je les ai fait en japonais et en anglais à l'époque, donc d'ailleurs ça c'est la version anglaise. Moi, je les ai pris pour voir ce qui valait sur PS4, okay, une fois refait sur PS4. Sure. C'est pas mieux. Next, we'll carry this one. C'est bien pour quelqu'un qui les a jamais fait, ça c'est génial d'avoir fait ça. Right. Mais, voilà. Right. Yeah. Les anciens sont de meilleure facture quand même. Yeah. Alors moi je trouve. Right. Yeah. Left. Yeah. Yeah. Allez, trop balle. Left. Right. Left. 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 Yeah. Yeah. Right. Right. We're putting it down. Here. Les cris qui poussent quoi. C'est un petit peu énervant. Hein. On va dire la vérité. I think we're getting along fine. Okay, next. Sure. Next, we'll carry this one. Sure. Here. Right. Right. Yeah. 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 Left. Left. Right. Left. Yeah. Left. Left. Right, right. Yeah. Left. Right. Yeah. Yeah. Right. Right. We're putting it down. Here. Okay, next. Sure. Next, we'll carry this one. Sure. Here. Right. Right. Oh merde. Push forward, not any other way. Trop vite, trop vite. Here. Yeah. Yeah. Left. Yeah. Left, left, left. Oh, n'importe quoi. Push the number of times that I tell you. Allez, qu'on la pose celle-là au moins. Here. Left. Yeah. Right. Left. Right. Yeah. Left. Right, right. Left, left, left. Yeah. Right. Right. We're putting it down. Yeah. Ce n'est pas le moment de larguer des caisses, ouais. Effectivement, ouais. Dans les deux sens du terme. Okay, next. Sure. Next, we'll carry this one. Sure. Non, c'est fini là. On n'aura pas le temps de la poser, c'est fini. Right. Right. Voilà. All right, that's it for today. Everyone can go home. Yes, sir.
Good work. You must be tired. Here's what you earned. 6 crates, so I'll pay you $60. Thanks. On s'est pas fait beaucoup Come de pognon. Hein. C'est mieux que rien, quoi. On y va. Chaque fois, ça fait chier pour sortir d'ici. J'avoue. Ben, si je peux aller par là, je raconte. Qu'est-ce que je fais? Eux, ils sont obligés d'être en marcette tellement ils ont chaud. Et nous, on garde notre veste en cuir. Ah, pas moi, mon pote. Hein. Je veux te dire. Hein. T'es fou, toi. T'es fou, quoi. Il a jamais chaud, il a jamais froid. Rio. C'est un guerrier. Eh oui, lui, il a pas le droit de se dévêtir, tu vois. Ah, de rien. Bah, c'est la maison de retraite. Hello, hein. Mister. C'est ta maison de retraite. How about it? Only $50 for a nice gift from Hong Kong. Oh, c'est un guerrier, Rio, manga TD. Be nice. No. Il peut travailler en doudoune s'il veut. I said no. All right, how's $30 then? You're bothering me. How about $10? I'm in a hurry. Please, no rush. I guarantee it's a really good photo. I didn't ask to be photographed. Ah oui. What did you say? Un petit peu idiot sur les bords. Your face was asking. On va dire un petit peu naïf. Shut up and pay $10. Dans son aventure, Rio. Il est très très naïf. C'est souvent à voir. En fait. Joy. Nice photo. You think so too? Well, I'm a pro. Oh, really? Well, take another one. I'll pay for both pictures then. Good, right away. Come on! Hey, I don't want any picture. Never mind. You can keep this one. And I'll keep this. Hey, you haven't paid yet! Come with me. I'll pay you. See you around. Hey, wait up! Photo. Tu. Salut, petit gars. Hey. What? I'm looking. Yeah. That's okay. Which way is it to one? Ok. Mais non. Il est où? Il va mettre trop de temps à m'emmener. Ouais. Ah, c'est stylé. Hein. C'était fou à l'époque. Hein. C'est encore très très bon aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui ont aimé, hein, tout le monde n'a pas aimé. Et à l'époque, c'était fou. C'était fou, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de nostalgie sur le 2. Mais j'ai de la nostalgie sur le 1 aussi. Hein.
C'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé le 3. Peut-être parce que j'ai pas d'affect avec. Mais il est bien, hein. J'ai bien aimé, mais... Il reviendrait pas aussi facilement. Celui-là, je l'ai fait, ouais, plus de 10 fois. Sur tous les supports où il est sorti. Donc, et dans toutes les langues. Et la langue n'est pas une barrière, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, les PNJ peuvent t'emmener à l'endroit, enfin, au moins pas loin de l'endroit, voilà. Et puis c'est de l'anglais basique. Hein. Par contre, en japonais, ouais, c'est compliqué. Moi, je dis le français pour ce jeu-là, c'est bien d'avoir la version française si tu veux vraiment bien rentrer dans l'histoire, tu vois, si tu le fais pour la première fois, surtout. Voilà, là ça vaut le coup, quoi. Ah bah bien sûr, mais c'est ça que je te dis. Surtout si tu le fais pour la première fois. Mais que ce soit en anglais ou en français, tu comprends, hein, tu captes, hein, y a pas de problème. En japonais, c'est plus compliqué, hein, évidemment. Mais bon, franchement, vu le déroulement de l'histoire, des personnages que tu rencontres, franchement, la langue n'est pas une barrière pour comprendre l'histoire, en vrai. C'est clair. Tu sais très bien où t'en es, quoi. Faut pas non plus abuser. Excuse. What? I'm looking... Which... I... Come with me. Thank you. Voilà, on va la laisser nous emmener. Bien sûr qu'il est important le texte, c'est fou. Hein. Ah oui. Très important, vraiment, si tu le fais pour la première fois. Hein. Pour ça que je l'avais refait plusieurs fois aussi, hein, pour justement... Et la raison aussi pour laquelle j'ai pris en français, c'était pour vraiment bien lire tout ce que disent tous les PNJ, quoi. Je m'étais amusé à parler à tout le monde. Voilà, évidemment, c'est important. Mais si tu veux te faire le jeu comme ça, tu vas comprendre quand même, sans être bon en anglais spécialement ou en japonais. Clairement, quoi. Je t'ai dit, hein, à l'époque, je l'ai fait en japonais sur Dreamcast, j'ai compris l'histoire, hein, directement. Bah, surtout si tu commences par le 1, quoi, c'est évident. Je veux pas spoiler, mais dans le 1, quand même, son père se fait éclater par un maître kung-fu. Tu le comprends comme ça au début. Tu vois des cinématiques qui te disent qu'il veut se venger. T'enquêtes sur des gens qui sont liés. Tu comprends très bien, quand même, c'est une histoire de vengeance. Tout de suite, en fait. Même en japonais. Vraiment, vraiment. Ça parle. Le jeu parle de lui-même, en fait. Pas si vous serez d'accord, hein, ceux qui l'ont fait à l'époque, mais moi je l'ai compris comme ça en tout cas, clairement, clairement. J'ai compris comme ça, quoi, qu'il partait à l'aventure pour enquêter et pour se venger, quoi. C'est direct, direct. Je sais pas, le jeu il parle de lui-même en vrai. Après. C'est bien de l'avoir en français, ouais, si tu veux parler un peu à tout le monde et approfondir le truc, toi. Sauf si t'es très très fort en anglais ou en japonais. Ce qui n'est pas mon cas. Et la langue n'a jamais été une barrière pour faire un jeu. J'ai pas peur en français, hein. Et la langue, pour moi, n'a jamais été une barrière pour faire un jeu. Après, l'anglais, je le comprends plus que je le parle. Que voilà quoi. Je me démerde, les bases. Les bonnes bases quoi. Je vais pas te faire. Je vais pas te parler en anglais pendant une heure ou deux, hein, ça c'est clair. Et à un moment donné, je vais me perdre. Déjà en français ça peut être compliqué des fois. Ah, j'en rajoute là. Là, là, on va pas être copain. Là, on va pas être copain. Ah ouais, là. Non, mais t'as le droit de pas aimer. Hein. C'est pas la question, mon gars. Mais là, on va pas être copain. Là. Le scénario con-con façon série B des années 80. Après, c'est simpliste. The Talking to Me. Ouais, bah, d'accord. Okay. Bon, faut pas exagérer. Bison, quand même. Ça, c'est plus que basique, ça.
Enfin, voilà, quoi. Non, non, et puis chacun a droit de pas aimer, t'en as qui n'aiment pas Shenmue, et alors? Je m'en fous, moi. Chacun ses goûts. Je vais pas te détester ou pas te parler parce que tu n'aimes pas Shenmue, hein. Je sais pas, Martin. Y a pas de souci, hein. Qu'est-ce qui nous fait le son? Qu'est-ce qui nous fait le son, mon petit gars? Petit souci de son, Tu parles d'une gonzesse, pas une mamie? C'est toi qui aimes les mamies. C'est pas mon trip, moi. Non, merci. Non mais je dis ça parce que j'aime quand même les jeux globalement, même si ce n'est pas le scénario qui le rend si intéressant. Après c'est un tout. Hein. Mamie, si elle a Parkinson, elle te branle sans faire d'effort. Ah bah. Fais gaffe à ce que tu dis, hein, parce que l'automode il est pas content. Fais gaffe à ce que tu dis. Voilà. Ah bah oui, mais il s'y connaît, hein, il s'y connaît, il s'y connaît. Et il parle pas souvent, hein, bidon, mais quand il parle, attention, c'est du lourd, hein, les gars. C'est du très très lourd. Hein. Ah oui, et puis c'est aussi le précurseur de beaucoup de jeux. Le précurseur de beaucoup, 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 beaucoup de jeux. C'est lui qui a inventé le QTE, le Quick Time Event. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Quick Time Event. Appuyez vite dans le temps imparti, quoi. Ah bah non, c'est pas God of War, non, clairement pas. Non, non, c'est lui qui a inventé le QTE. C'est Shenmue. Salut Sinfo, ça va? J'ai un petit problème de son là, c'est étonnant. Attends. Ah ouais, d'accord, c'est parce que je suis. D'accord, ok. Bon. Ou peut-être une certaine forme de QTE, puisqu'il y avait Dragon Slayer bien avant. Alors ça, moi j'appelle pas ça du QTE, moi j'appelle ça être devin, être voyant. Excuse-moi. Excuse-moi. Ah, t'as pas le temps, hein. T'as pas le temps, Excuse-moi, Dragon Slayer, mais c'est pas faux. I want to go to Manmo. Which way is it? I think it. Can you give me directions? I think you can get there from the wise men. Could you ask? I. Attends mon pépère, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, j'ai l'impression. I want to go to Manmo. Which. J'ai l'impression que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, les gens. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Impec, merci. Je n'ai plus. Ah, tu l'as pas fait en plus? Ah, c'est super. Si je peux te faire découvrir une pépite. Bah, encore une fois, pour moi, c'est une pépite. Enfin, pour d'autres. Pour d'autres, peut-être pas. Donc, on est sur la version Xbox. Première du nom. Sur la 360. Putain. Pourquoi il m'a amené là? Elle est complètement malade. Elle est folle, la mamie, là. C'est de ma faute, hein, je l'ai suivie. C'est à cause de Bison, ça. C'est à cause de Bison, ça. Vous savez pas qui c'était Bison, c'est pour ça.
Oh, peut-être que certains le savent. Ah, tu m'as parlé de la mamie. Tu m'as parlé de regarder son boule et tout ça là. Oh, c'est quoi cette histoire? Ça m'a complètement déstabilisé, moi il m'en faut peu. Hein. Il m'en faut très peu, moi. Et puis que je dis ça au pif, mais dans le Red Dead 2, tu veux un FPS pour voir les terroirs. Ouais, bah après, faut aimer. Hein. Ah, chez nous, tu pouvais le faire il y a 20 ans, évidemment. Voilà, emmène-moi maintenant. Bordel, je me suis complètement égaré, quoi. Non, mais les gars, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de donner votre avis, de vous exprimer, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai connu ça à l'époque. Comme certains. Comme beaucoup. Voilà, moi, je me replace souvent dans le contexte de l'époque aussi. C'est vrai. Des fois, je peux même pardonner certaines défaillances, certaines failles à certains jeux. À cause de la nostalgie, mais bon. Ouais, voilà. Là, tu t'égares un petit peu, là, mon pote. Là, c'est pas du tout le même jeu. On les a fait en live, les Metal Gear. Puis, je les ai fait à l'époque aussi. Donc. Tu t'égares un petit peu, mais c'est vrai que ça fourmille de détails aussi. Tu vois, il y a plein de jeux qui fourmillent de détails. C'est pas le seul jeu qui fourmille le plus de détails. C'est un genre à part. Là, c'est... Il y a la musique qui rentre en jeu, l'ambiance, l'enquête, les QTE, les salles d'arcade, les jeux d'arcade dans le jeu, les quatre jeux d'arcade, les bandes d'arcade, le côté japonisant, l'invitation au voyage. Enfin, il y a tellement de qualités, tellement de choses à dire. Voilà, quoi. Non, pas à ce niveau-là. C'est pour ça que je te dis, tu t'égares un petit peu. Mais il y a énormément de détails dans un Metal Gear Solid. Attention, à fond. Faut être juste, quoi. Faut être juste. Je suis juste. Mais j'aime beaucoup Metal Gear aussi, d'ailleurs. On les a fait en live. Mais il nous en reste à faire. Il nous reste le 3 à faire que je n'ai jamais fait. Et le Peace Walker. Voilà. Bon, ça, on a le temps, on verra. Ah oui, je vois très bien, je t'ai très bien compris. La preuve, je te réponds en conséquence, donc... Donc je t'ai très bien compris, évidemment. Mais quand je dis tu t'égares... ça veut dire que voilà, c'est pas le même genre de détails déjà. Et oui, je t'ai compris, sans problème. Putain, qu'est-ce qui fait lourd en vrai? Pouah! Tout à l'heure, on a eu de la flotte, orage et tout. Là, ça s'est relevé, mais... Je pense que ça va recraquer dans la soirée. Hein. J'ai jamais fait le 3. Snake Eater, là. Je n'ai jamais fait. Et le 5 aussi, voilà. C'est... Et Peace Walker aussi, bon, je sais pas, il paraît que c'est... Il paraît qu'il est pas mal, mais il paraît qu'il est anecdotique par rapport aux autres. J'ai fait le 4 sur PS3 à l'époque, et puis bah on a fait... J'ai fait le 1 et le 2 à l'époque, on les a refait en live. J'ai fait plein de fois d'ailleurs. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le 3 était excellent, hein. Donc écoute, on va le découvrir, donc ce sera encore mieux. Même moi, je vais le découvrir en le faisant en live, donc ça va être super cool. Ce ne sera pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des jeux qui arrivent, là, il y a des priorités quand même. Il y a des priorités. Déjà, il y aura celui-là à continuer et d'autres. Mais n'oubliez pas qu'avec votre fidélité sur le chat, vous pouvez proposer des jeux avec les points de chaîne. Moi, je fais que ce que j'aime en live. Et si vous avez des jeux que vous aimez et que moi j'aime pas, même des daubes, hein, vous pouvez troller. Là-dessus, vous pouvez troller, je m'en fous. Les points de chaîne, ça sert à ça. C'est chacun ses goûts. Vous voulez me faire souffrir? Vous voulez mettre un jeu qui vous fait rire? Une daube? Vous pouvez avec les points de chaîne, c'est fait pour ça. Et j'en ai déjà fait. Les gens ont été sympas avec moi là-dessus.
pour l'instant. Faut pas que je parle trop parce que. Voilà quoi. You wish to meet the master? Voilà. You know, Lee, faut pas que je parle trop non plus parce que. Here's my letter of introduction. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien voir des, du Bubsy 3D, des conneries comme ça. Je le ferai. S'il fallait le faire. Je m'en fous, les jeux des viewers, je n'ai pas à les finir. Par contre, je consacre un live entier. Donc entre 2 et 3 heures de live au jeu concerné. Il y a de quoi souffrir, quand même. Ah, The Warrior sur PS2, je ne l'ai pas fait, mais je vois ce que c'est. Hein. Je vois ce que c'est, hein. T'inquiète, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas fait. Bon alors, fouillons dans les jeux pirates taïwanais. Non, tu vois, des fois je devrais me taire. Mais c'est normal que j'informe ceux qui arrivent, ceux qui viennent de me follow. Quand même, c'est la moindre des choses. Tu quoi? Ah, il faut deux frappes là. Non, mais si je le dis en vrai, au fond de moi, c'est que ça me dérangera pas. C'est qu'on peut proposer ce qu'on veut avec les points de chaîne, quoi. Voilà. Je préfère sur console physique et jeu physique, hein. Je ferai pas sur PC. Mais j'ai de quoi faire autrement. Voilà. Bah écoute, c'est la moindre des choses. Et puis c'est rien, ça encore. T'auras peut-être l'occasion de voir une C4. Je fais des quiz de temps en temps aussi, je fais gagner des jeux, des consoles. Attention, je suis pas Rothschild, hein. Je l'ai fait 2-3 fois. On en a parlé il n'y a pas si longtemps de Soul River. Enfin, déjà, j'ai pas fait Legacy of Kain. J'aimerais bien le faire déjà. C'est déjà pas mal. Do you have a... Do you... The... Oh. Oh. Alright. Alright. Bah, Legacy of Kain, quoi. Voilà. Celui sur PS1, quoi. Sur PS1. Je ne l'ai jamais fait. J'ai failli le faire, mais le CD n'était pas dans la boîte. What is... If I know... Je parle d'époque, hein. But what can I do? Why don't... Martial arts it. First, we will... Mais comme je dis, il est jamais trop tard. D'ailleurs, je découvre encore des jeux aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que j'ai découvert? Bah, dernièrement, j'ai découvert deux jeux GameCube là, qu'on a fait en live, qu'on doit continuer vite fait. Tu vois, il reste pas grand-chose. Dégage, toi, je t'ai rien demandé. Excuse me. Hello. Hello. Do you know about Wudu? The Wudu? You should ask the master at... I can't ask at Manmo Temple. Then you have... If you want to... I see. Hey. Yeah. Do you know what... No. That's okay. Soon. Ah, oui. Ah, Legacy of Kain, Survivor, Legacy of Kain... Voilà. Ouais, mais j'ai pas fait, mais j'ai entendu parler. À ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. Donc, à voir, hein. Je le ferai peut-être pas de moi-même. Je le ferai même sûrement pas de moi-même. Mais si on me le propose, c'est pour ça que je parle de points de chaîne, justement. J'ai découvert des jeux comme ça aussi, hein. Pour ça, je dis chacun ses goûts tout le temps. Mais c'est évident. Do you know anything about the Wu? What? Tu. Attends, je vais lire mon petit bouquin vite fait. Alors, hein. Les quatre Wu, c'est les maîtres d'arts martiaux. Ouais, et puis surtout, je connais pas, donc là, je peux même pas en parler. You were... Shenhua. Why were you at Manmo Temple?
I have a single wish. Quand je connais pas, j'en parle pas. Et voilà quoi. Seems like you have one je connais too. Souvent de noms ou j'ai vu des vidéos, ou des trucs comme ça quoi. I'd like to ask you something. What? Mais quand j'ai pas fait par moi-même, ouais, je parle pas. En général. Voodoo is what you learn on your own. Ouais. Ça c'est vrai ça. Il y a beaucoup. Ah c'est ça, quand t'aimes les vieux films de Kung Fu, quand t'aimes le Kung Fu, les arts martiaux en général, tu peux que aimer Shenmue quoi. En tout cas t'as plein de modes de jeu quoi. Hein. Le combat, la Virtua Fighter, tout ça. Martial artist. Ah oui, en général, et puis je peux me tromper hein, de toute façon, je sais pas. Celui qui croit tout savoir, c'est un con. C'est un con, on en apprend tous les jours. Et de tout le monde. Pas peut-être pas de tout le monde, mais je m'entends, je me comprends. Peut-être pas de tout le monde, pas exagéré. Can I? Is there anyone who knows martial arts? Don't. Vanessa. Bah oui. Ah non, c'est la Virtua Fighter hein, de toute façon quoi qu'il arrive. What? Is there anyone? I. Les combats sont à la Virtua Fighter. Qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre folle là? Excuse me. Yes. Is there anyone who knows martial arts around here? I don't know. Voilà, faut qu'on va aller dans le parc. Alors, bah je crois que Shenmue était fait sur le moteur. Oui, tout à fait. Ouais, puis même. Bien sûr, de toute façon déjà, les Sega, les combats sont la Virtua Fighter, tu vois, même dans les collections, tu vois, t'as les persos de Virtua Fighter, enfin voilà, là je les ai vendus. Ah voilà quoi. Bonjour. Gentlemen. What? I'd like to ask. We'll talk later. Let's see how. Bonjour. Et encore GG level up pour EPAT TV. Hein? That was close. Alors lui, c'est pas la peine de test, on peut pas le toucher. Hein. Pas la peine de test, ça fait partie de l'histoire. Very sharp. Nice kick. Alors justement, vous voyez, on en parlait. A surprise. T'as plein de coups. Impressive. Plein de coups spéciaux, quoi. On peut acheter aussi des coups spéciaux pour ceux qui ne le savent pas. It's called vortex throw. As you fall back, you use your opponent's force to throw. Donc voilà quoi. The rotation to throw. Beep, beep, that was close. What was that? The iron palm of Tai Chi. So, what did you want to ask me? I want to know what the four voodoo are. The voodoo?
Ouais, moi aussi, hein. Je suis un grand fan de la musique. Et puis depuis que je l'ai fait la première fois. Même les OST, je les mettais à un moment en live avant de commencer le live ou en le finissant. Même pendant des fois. Do you want to see how Tai Chi develops into force? Please. Watch carefully. For Iron Palm, use the power of your whole body. Bah, de toute façon, ce jeu, il a quelque chose de poétique, hein, quelque part. Aussi. Strengthen your arms and legs at the same time. Then strike. Tu peux le voir de plusieurs façons. Try the Iron Palm on that tree. Ah, moi aussi, à l'ancienne. Ah ouais, les gachas. J'avais essayé d'avoir toute la collecte, laisse tomber. Quoi. Au secours. Alors, c'est quoi déjà Ah bah oui. Ça, c'est stylé aussi, franchement. Rien que ça. Les petits kanji. Les petits kanji qui apparaissent à l'écran. Leaves, I will tell you about the voodoo. Cover the ground. Oh, franchement, le 1, c'est casse-couille. Parce que tu dois t'entraîner à un certain endroit et tout, c'est trop long. First, yes, then more. Ah, c'est stylé les kanji qui apparaissent à l'écran, là, comme ça. Les kanji Jirak. Désolé, je sors. Like this. Merde, faut laisser trois fois. Tu veux faire les canards, comment ça? Yes. Les kanji Shirak? Les kanji Nippono? T'es con. Vous êtes cons, les mecs. Looking good. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais que dit-il? Que dit-il? I need to control my timing. Les canards, j'ai pas compris. Course de canard. I understand. What? Que dit-il? Course de canard. I need to control my timing. Je vois pas trop. Peut-être que je vois ça d'une autre façon que toi, mais là je vois pas ce que tu veux dire. Yes, this is canard de rue. Honnêtement, je te suis pas là. Sauf que là, je te suis pas là. Je t'ai perdu là. That's looking much better. I think I'm getting it. Attends. Littéralement des canards qui font la course dans Shenmue 2. Jamais vu ça. Canard dans Shenmue 2? Tu confonds pas avec Shenmue 3, mec? Ah, tu m'aurais dit Shenmue 3, ok. Tu m'aurais dit Shenmue 3, ok. C'est pas des jeux d'arcade de chez Sega dans Shenmue 3, malheureusement. Et les jeux d'arcade tout bidon de merde. Même les mini-jeux sont tout pourris, on dirait une kermesse. Faut quand même l'avouer. Ah ben, je vois pas ce que tu veux dire. Hein. Je crois. Hein.
vois pas. Course de canard de rue. Tu m'aurais dit Shenmue 3, bon, parce que ça ressemble plus à une kermesse, les mini-jeux, tu vois. Même les jeux d'arcade, d'ailleurs. Si on peut appeler ça des jeux d'arcade. Les jeux d'arcade. Shenmue 2, je veux pas. Every day without neglect to keep training. That is one of the voodoo. Gone. Gone. One of the voodoo. Non, je sais pas, je vois pas du tout où tu veux en venir avec les canards. Mais tu vois, même manga, il sait pas trop là. Il a jamais eu ça, donc. Je pense que tu dirais ça même à n'importe qui, un grand fan, un expert. Peut-être que ça pourrait lui parler, moi ça me parle pas en tout cas. Comme je disais, hein, on ne peut pas tout connaître. Hein. Mais ça, je pense pas que ça parlera à beaucoup de monde qui connaît Shenmue et qui aime Shenmue. Hein. On peut pas trop, mec. C'est la première fois que j'entends ça, quoi. Gentlemen. What? Excuse me. Do you know... Yes. There's the Guang. Guang Martial Arts? It's a dojo in the Green Market Quarter. The master... Guang Martial Arts. Tiens, emmène-nous, toi, voir. Yes. Si t'es pas trop feignant. I want to go... Would... I have... Follow... Okay. Allez, il va nous y emmener. Je ne veux pas aller vérifier pour confirmer mes dires, car j'ai l'impression de passer pour un mytho. Mais c'est pas question de mytho, c'est question, comme tu dis, on peut pas tout connaître. Et puis, voilà quoi. En général, quand je sais pas trop, je dis rien. Ouais. Non, mais je sais pas, vérifier de quoi? Vérifier où? Sur Internet? Bah non, non, je suis en plein jeu, là. Mais c'est pas important. Je ne mets pas tes dires en doute, hein. Attends, tu me mets quand même le doute là. Je vais encore perdre le fil. Une course de canard. C'est ça que tu me dis. Me fais pas aller pour rien. Hein. La fameuse course de canard dans Shenmue 2. Quête des trois médailles. Thank you very much. Goodbye. Beaucoup de fans de Shenmue connaissent la course de canard de Shenmue 2, mais il y a aussi une grande partie d'entre vous qui sont passés à côté, bah ouais, j'en fais partie, de se débloquer en faisant la quête de l'anniversaire de Fang Mei. Ah ouais, effectivement, tu vois. Ah non, bah, je savais pas. Je ne savais pas. Ah ouais, bah ouais, je viens de lire là. Ah bah je ne savais pas, je ne connaissais pas. Effectivement, il y a bien ça. Apparemment, c'est un secret bien caché. Et c'est vraiment connu par les grands fans qui ont fouillé partout, quoi. Alors, je sais pas comment t'as découvert ça. Je suis quand même un grand fan et j'ai fouillé pas mal aussi. Mais tu vois, je disais tout à l'heure, il y aura toujours des secrets dans ce jeu. Même aujourd'hui, tu vois, on en apprend encore. Non, bah c'est normal, puisque tu m'as mis le doute, attends, mais ça existe bien. Ah, j'aimerais bien essayer de découvrir ça. L'anniversaire de Fang Mei. Ah, faudrait que je retienne ça. Ou que je le marque. Parce que j'ai jamais vu ça, donc... Ah bah de rien, tu m'avais mis le doute, moi, quand j'ai un doute. This is Guang Martial Arts School. Ouais, d'accord. Bah c'est ça. C'est durant la quête de l'anniversaire de Fang Mei. Apparemment, c'est de l'annexe. What do you want? Faudra que je m'en souvienne. Faudra que je vois ça. J'ai jamais vu ça. Faudra qu'on voit ça en live. Qu'on montre ça en live, justement. Ça pourrait être intéressant. Ah, je pense que je m'en souviendrai. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça. Excuse. May I help?
Bah, surtout, je vais découvrir, puisque... Attends, tu vois, je disais tout à l'heure... Tellement de secrets dans ce jeu, tu vois, c'est... Encore aujourd'hui, hein. Are you the man? Yes. Please tell me, there is... You're... But... Why? I have... What do you... There is a... A street... He... It is all my... A mad... For a street performer. Which way is it? Come, follow me. Thank you. Allez, emmène-nous, ma grosse. Pardon. On va faire plaisir à Bison, à l'EHPAD TV. Ah, faudrait que je marque ça dans un coin là pour la course des canards là. Tu vois, quand tu m'as parlé de ça, mais tu vois, c'est pas connu, tu vois. C'est pas connu, Senpai. C'est pas connu, c'est vraiment découvert par des puristes, quoi. Enfin, des gens qui ont fouillé partout, quoi, qui ont tout fait, quoi. Ouais, la traduction est pas dégueu. Même le jeu est pas dégueu. Mais il y a des problèmes d'affichage par moment. Que dans les anciennes versions, il n'y en a pas. Dans celle-là et Dreamcast, il n'y a pas de problème d'affichage, tu vois. C'est ça. Ça m'a paru, tu vois. Quand même, quoi. Ils auraient pu. Bah ouais, quand même, quoi. Merde, un jeu qui a été fait sur Dreamcast, Xbox. Les gars, quand même. À un moment donné, faut arrêter. Oh! Faut arrêter, quoi. 20 ans, les gars. Oh, oh, oh. Problème d'affichage, quoi. Tu levais la tête, des fois, tu voyais pas la moitié des bâtiments. Parce que moi, je m'amuse à regarder le décor, tu vois. Bien souvent, tu vois. Les détails, tout ça, c'est pour ça, des fois. Bah, souvent même, je me fais emmener par des PNJ, tu vois. Après, des fois, la flemme, parce que c'est long. Mais en live, c'est bien de le faire. Ça permet de discuter aussi, tu vois. Il a tout compris ce jeu, il a tout bon. Il avait déjà tout compris. Même au début, quand tu débarques de bateau à Hong Kong sur PS4, franchement, j'ai eu peur au début. Hein. Après, ça s'est réglé, il n'y a pas eu trop. Il y a eu quelques trucs. Mais... Putain! Quand j'ai vu le bateau, il avait du mal à s'afficher, j'ai fait quoi? What? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça va être après, quoi? En fait, ça a été. Mais il y a eu quelques trucs, quand même. On m'avait parlé aussi des problèmes d'affichage des gachapons. Moi, j'ai pas eu ce problème, personnellement, sur PS4. Je n'ai pas eu ce problème d'affichage des gachas. Ouais. Ouais. On m'avait parlé des problèmes d'affichage des gachas aussi dans les tirettes, là. Perhaps we shall meet again sometime. Et bah, moi, je n'ai pas eu ce problème. Mais c'est vrai que... Il y a eu des mises à jour, hein. Bonjour. C'est pas du tout là que je dois aller. Welcome, bonjour. Sir. Au revoir. Je sais très bien où je dois aller. Je fais n'importe quoi. Le 2 ne se lançait même pas. T'as pas la mage. Ouais, ça c'est normal. Sur PC, j'ai pas fait sur PC, moi.
Et Dreamcast, Xbox et PS4. Excuse me. What? I'm looking for keys in. I... Amène-moi. Je sais que je suis pas loin. Attends. C'est pas là. Mais non, on remonte pas. Sur PC, j'ai pas fait moi. Ah ouais, bah la version Xbox là, t'es dessus là. On est dessus là. C'est bon, je sais. Bah ça va, hein, franchement. Bah je trouve aussi, honnêtement, c'est pas pour dire, je trouve, honnêtement, c'est d'ailleurs pour ça que je le refais dans cette version aussi. Voilà, honnêtement, je suis honnête, hein, je vais pas dire ça parce que voilà. Il est là, notre copain. Bonjour. Excuse me, hein? Ah, ouais, bah ouais. Never seen ah, moi aussi. You around here. Aussi. Where are you from? Bah, je trouve aussi, hein, c'est... J'avais fait un test, j'avais fait un comparatif. Avant de relancer les versions PS4, j'avais fait un petit comparatif. You, if you do me a favor. Attention! Eh ouais, j'ai fait merde. J'ai fait merde, quoi. La Xbox tournerait mieux que la PS4. Ah là là. En vrai, t'as des bons jeux là, sur Xbox. Là. Des très, très beaux jeux, en plus. Salut, Trevor. Ah moi non plus, c'est pour ça que j'en rigole et que je dis ça parce que voilà quoi, véritablement. Bon là, il faudra que je focus. Merde. Ah, je me suis cassé la main. Ah, ça va et toi, Trevor? Bienvenue parmi nous. Swing your arm high, and as you bring it down, concentrate your power. Allez, ta gueule, toi, tu parles trop. Tais-toi. Laisse-nous jouer, c'est nous les experts. Allez. 1. 2. 3. Oh. 3. Je me suis encore cassé la main, les gars. Ouais, c'est des beaux jeux. Je les ai pas fait, mais je sais c'est quoi. Attends, oh. Eh merde. Je me suis encore cassé la main, les gars. Mais t'as droit à 3 essais. Hein. Ne me jugez pas. Oui, retry, enfin. Attention, everyone. Ne me jugez pas. Allez, c'est bon. On y arrive. Ah. Quelle idée aussi de casser les briques avec la main, c'est clair. Quelle idée. Hein. C'est Ryo Hazuki. Ryo Hazuki-san. My name is Zonchuan. Yo, Hazuki. How about working with me? We'll make some money. I used to Jackson. Do martial arts, but now Jackson. Perhaps Master Zonchuan was your... Ray Jackson. How did you know?
Bravo, Men Pierre n'auront jamais les goûts. Bien joué. Men Brick n'auront jamais les goûts. Ah oui, un de mes films préférés de Van Damme. Je le regarde au moins une fois par an, celui-là. Je connais par cœur. He said it was his fault, that he was powerless. Ah, on va bien s'entendre. For a man like myself? Master. On va bien s'entendre. Please wait. Please give this to my master. Don't open the letter. 10h-20. Malheureusement, je vais devoir bientôt arrêter, quoi. Comité, ouais. Malheureusement, je vais devoir bientôt m'arrêter, mais je reviens ce soir. Je reviens ce soir pour une soirée rétro. Enfin, vraiment rétro, hein, pour le coup. On sortira la super rétropie. Et on fera plusieurs consoles, plusieurs jeux. Non, mais y a pas de souci. Juste là pour ceux que ça intéresse, je reviens ce soir. Là, ça va faire 2h20 qu'on est dessus, puis de toute façon, j'ai des petits trucs à faire à côté. Je peux pas me permettre de rester beaucoup plus longtemps. Donc on va se quitter tranquillement. On va pas oublier de faire la save. Hein. Évidemment. Je remercie ton pote. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Content que ça te plaise, écoute. Autant que ça te plaise. Je stream pas tous les jours, mais il y a des jours où je peux faire matin, après-midi et soir. Des fois matin, après-midi, des fois que le matin, des fois que l'après-midi. Et quand j'ai le temps, c'est pas régulier, j'ai pas de planning. C'est selon mon envie et mon temps. Donc quand les gens sont follow, vous voyez quand je suis en live, quoi. Et puis voilà, quoi. Voilà. Mais c'est principalement du rétro. Hein. Principalement. Mais pas que. Ah oui, moi, c'est ça, moi, c'est... Comment je décide à quel jeu je stream ? J'écoute mon cœur. Et quand je commence quelque chose, je le finis. Donc, voilà. Quand je commence... je suis mon envie, quoi. Et puis, quand je commence un jeu, en général, je le finis. Donc, à partir du moment où je commence un jeu... Je finis. Donc vous risquez de me voir du début à la fin sur ce jeu. Après, je peux faire quelques petits jeux en parallèle, arcade ou autre. Et après aussi, ça peut être des jeux proposés par les viewers, Trevor. Avec les points de chaîne. Et pour ça, faut être fidèle, faut être souvent là. Voilà, bah, c'est ce que je fais toujours, moi, de toute façon. Hein. Avec moi, c'est que du sans filtre. GG, ta réponse. Non mais voilà quoi, c'est comme ça les mecs. C'est comme ça les mecs. Des fois voilà, hein, c'est... Et je vous dis, des fois il y a des viewers qui proposent des jeux, mais ça c'est avec les points de chaîne, parce que t'imagines, tout le monde proposait des jeux comme ça sans avoir de points de chaîne. Imagine la liste que j'aurais à faire. Déjà j'avais une liste là il n'y a pas longtemps, bon on la vide. Ah non, ça je m'en tape moi. Je m'en tape complet, puis de toute façon, je fais ce que j'aime, quoi, avant tout. Et après, bah, comme je disais à l'instant, vous pouvez choisir, mais avec les points de chaîne. Et puis voilà, quoi. C'est principalement du rétro, mais on peut faire de la Wii U, de la Wii, de la GameCube, de la PS4, c'est surtout des remasters et des remakes. La 360, évidemment, PS2, PS1... J'ai pas fait, mais je connais. J'ai testé. On fait un peu toutes les consoles des plus vieilles. PS4, bah, je m'en suis séparé parce que moi j'investis dans le rétro, je collectionne le rétro, donc comme ça coûte un bras, bah voilà, bref. Voilà. On va dire que la plus récente, ça va être la 360. Allez, maintenant on va dire ça. Ça va être ça maintenant. Ouais, c'est vrai en plus, c'est ça. Voilà.
Donc on a save. Écoutez, restez un petit peu si vous voulez. On va faire un petit raid. À partir de quelle époque définirais-tu si un jeu ou une console est rétro? Alors, bon, on va oublier les anciens ordinateurs. Je vais partir de la Game Boy jusqu'à la PS2 pour moi. D'accord, Trevor? De la Game Boy à la PS2, pour moi, c'est rétro. Mais des fois, je peux faire un peu plus haut les consoles et mettre rétro parce que je n'ai pas la jaquette du jeu. Ça, c'est pour le titre du live. Et salut, Chalut Chaos, t'arrives à la fin? Ah bah, GG. Red, Zero Tolerance, FR, c'est un streamer cool. Non, je connais Zero Tolerance. Enfin, je connais, sans connaître. Ah, j'en fais un petit peu aussi. Ah bah ça, sur toutes les consoles, c'est pareil, les gars. Il y a du bon et il y a du mauvais, c'est ça qu'il faut vous dire. Hein. Bah si, je t'ai dit, Trevor, les anciens ordinateurs, pour moi, c'est des ordinateurs, ça. J'ai commencé à l'Atari 2600, d'ailleurs. Pour moi, c'est des trucs, ouais, vraiment, c'est... Là, c'est... Je parle de ce que je joue, en fait. Oh, quoique, j'ai déjà fait de l'Atari 2600. Hein. En live, un petit peu. Bon, les gars, c'est pas que je m'ennuie, mais là, vous me tenez la grappe, là. On va faire un petit raid, les amis. T'as vu. On va faire un petit raid. Désolé pour ceux qui arrivent à la fin. Mais hein. Comme je dis... Je reviens ce soir. Bah déjà, Duckspeak, tu dis pas bonjour. Ah voilà, quand même. Bah désolé, mais t'arrives à la fin. Ça marche. Donc bon, bah ce soir, pour ceux que ça intéresse, t'as vu. On passe en mode rétro ce soir. Qu'est-ce qu'il fait, Barak? Un peu de tout cet après-midi. Ah, il n'y a pas de souci, Dax. De qui stick? Aucun problème. J'hésite. On va faire un petit raid à Barak. Il fait du rétro, donc... Il n'y aura pas de Shenmue hein, ce soir. J'ai dit que ce sera du rétro ce soir. Enfin, ce sera du rétro comme je l'entends. Allez. Il n'y aura pas la suite de Shenmue ce soir. Hein. Barak. C'est Barak comment lui? Barak 1350. Quel bienvenue. Il y aura un peu de tout. Les viewers pourront choisir leur jeu rétro aussi. Hein. Toujours la même formule. Si tout se passe bien, bah, je serai bien content. Voilà, on va faire un petit raid à Barak. Ça va lui faire plaisir. Il est tout seul sur son live. Il fait du rétro. Apparemment, il fait un peu de tout. Il a marqué cet après-midi. C'est ce qu'il a marqué. Il est passé tout à l'heure, il était à l'apéro. Donc bon, je pense que ça va lui faire plaisir. Hein. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Et à bientôt, peut-être à ce soir pour ceux que ça intéresse. Allez, tchuss. Et on lance le raid.